Et nous voilà partis. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas refait une petite vidéo sur cette chaîne, donc j'espère que ben voilà, qu'on va retrouver les bonnes petites habitudes, on va profiter un petit peu du confinement pour essayer d'être un peu plus actif. Et par un peu plus actif, ben on va essayer de faire des séances courtes mais fréquentes. Donc allez, fixons-nous l'objectif d'une par jour sur un créneau d'à peu près 1 heure, un peu moins j'espère. Et puis bah, j'espère que tout ira bien pour tout le monde. Voilà, je vous vois là dans le chat. Bonjour Chris Jack, bonjour XBD2. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous hésitez surtout pas, hein, vous intervenez en direct. Et puis bah, j'essaie d'y répondre au mieux tout simplement. Donc ouais, je vois qu'on a aussi les habitués. Salut Slane. Alors, tout d'abord, avant d'attaquer, un petit mot, hein, un petit mot de retour quand même. Juste d'abord pour remercier nos nouveaux modérateurs. Hein, je pense que vous avez repéré que Bastali avait rejoint nos rangs, que Olivia avait également rejoint nos rangs. Un petit mot pour dire bonjour aussi aux nouveaux. Coucou Paulette. Et puis un petit mot pour vous donner aussi les petits changements qui vont avoir lieu sur cette chaîne. Alors vous l'avez remarqué, hein, déjà on a eu un petit changement de nom. Pourquoi? Ben, désormais ce sera une chaîne qui sera co-animée par Alex et moi. Donc Alex, ceux qui traînent sur le Discord du canapé le connaissent déjà bien. C'est notre petit... petit. Notre grand bidouilleur fou en électronique russe. Et donc Alex fera des sessions alternées avec moi quand il en aura envie et quand il le voudra, qui seront bah, dans un premier temps plutôt orientées électroniques. Quant à moi, ben, je ferai des sessions qui seront orientées soit programmation, comme ce sera un petit peu le cas aujourd'hui, soit Unix, voilà, quand on tombe sur une question ou sur un petit thème un peu sympa. Soit électronique, mais plutôt sur le côté électronique embarquée, microcontrôleur, voilà. J'essaierai tout simplement bah, de ne pas empiéter sur les streams d'Alex et faire en sorte plutôt que nos différents travaux se complètent. Bon, c'est le premier stream de la saison, donc forcément, comment dire, le setup est loin d'être au point. J'espère que la qualité du son va correctement et que vous m'entendez tous bien. Si c'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à faire signe. On améliorera ça au fur et à mesure de cette première session, de façon à ce que ce soit le mieux possible pour vous. Donc, vous voyez théoriquement mon écran et les trois terminaux. Si vous me confirmez que c'est bon, on va pouvoir attaquer. Qu'est-ce que ça donne donc du coup? Vous êtes toujours là? Personne ne s'est encore endormi? Bon, ça a l'air d'aller. Alors, aujourd'hui, bah, je voulais prendre un petit peu le temps de m'attarder sur GDB. Tout simplement parce que c'est un logiciel de debugging qui, comment dire, qui fait référence dans l'univers Unix, qui est très ancien et qui est extrêmement efficace. En fait, beaucoup d'étudiants, quand on présente GDB, vous disent: Ah, mais j'en ai pas besoin, tout simplement parce que mon IDE le fait déjà, mon environnement, mon éditeur. Sauf que ce qu'ils ignorent généralement, c'est que dans la plupart des cas, leur éditeur ne fait qu'appeler GDB en tâche de fond. Ah, je vois qu'on va augmenter un petit peu le son, bougez pas, je vous fais ça de suite. J'espère juste qu'on va pas trop rajouter de souffle. Est-ce que là ça va mieux? Vous me dites, hein? Donc, du coup, j'espère que le son va mieux. Ah, c'est vrai, j'ai un bon retour, donc ça devrait aller. Donc, du coup, GDB, c'est un débuggeur en mode texte. Qui va nous permettre d'exécuter des codes de façon générale. Hein. Là, je vais le présenter au travers du C, mais vous pouvez utiliser GDB avec n'importe quel langage. Ce n'est pas réservé au C, au C++ ou à l'assembleur. Ceci étant dit, son setting habituel est plutôt, il faut bien l'avouer, orienté autour de ces trois langages. Donc, pour commencer, on va se créer
un petit répertoire et on va travailler au sein de ce répertoire. Alors, normalement, j'avais déjà un petit peu préparé ça. Hop. Voilà, un petit endroit bien à nous. Juste le temps de rentrer dedans. Ce qu'on fera tout simplement, c'est que, bon, pour là aujourd'hui, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais je le ferai quand même. Systématiquement, je prendrai l'habitude de rendre tout ce qu'on fait au sein de ces séances disponible sur GitHub. Comme ça, vous pourrez très facilement aller récupérer les exemples ou les petits bouts de code. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer par se créer un petit programme. Donc notre petit programme, on va partir hyper classiquement. Hop, on se donne une fonction principale. Pour ceux qui ne connaissent pas le C, c'est la fonction par laquelle le programme va systématiquement démarrer. Voilà. Et donc, jusque-là, rien de bien nouveau. Donc, notre petit programme, qu'est-ce qu'on va faire dedans? Eh bien, on va tout simplement afficher 10 fois Hello World avec une petite boucle, histoire d'avoir un petit quelque chose à débugger déjà. Ouais, 100 fois, ne soyons pas radins. C'est l'exemple, je pense, un des exemples les plus basiques qu'on puisse concevoir dès là, d'ores et déjà. Hop. Alors, donc, pour la suite, pour vous y retrouver un petit peu, systématiquement, je compilerai sur la fenêtre du milieu et j'utiliserai GDB tout à droite. Donc, on va se faire une petite compilation juste pour vérifier que ça fonctionne. Ça a l'air de pas être trop mal et ça affiche donc 100 fois Hello World. Bon, c'est pas le programme le plus compliqué que vous aurez probablement vu de votre vie. Alors, la première des choses, lorsqu'on veut débugger, c'est de générer un exécutable qui est dans un format un petit peu particulier. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ce que vous faites en invoquant la ligne de GCC, c'est une compilation et un linking. Compilation veut dire que le C, qui est à gauche, va être traduit en langage machine, c'est-à-dire en une suite de 0 et de 1. Le problème durant cette étape, c'est que certaines informations qui sont utiles pour le debug vont être perdues. Par exemple, le nom des variables. La variable i, bien entendu, existe dans l'exécutable, mais tout simplement, on a perdu le fait qu'elle s'appelait i. C'est simplement l'espace mémoire, numéro, machin, bidule. Donc, pour pouvoir débugger dans de bonnes conditions, il est fortement conseillé de rajouter l'option -g. L'option -g va vous générer un exécutable qui fonctionne toujours, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Mais dans cet exécutable sont également stockés ce qu'on appelle les symboles de compilation, c'est-à-dire le nom des variables. Si vous ne compilez pas avec -g, l'usage de GDB sera beaucoup plus compliqué pour la suite. Alors, allons voir un petit peu ce que ça donne. Donc, puisque j'ai généré mon exécutable, je peux lancer GDB sur mon exécutable. Donc, vous le voyez, une petite ligne importante ici. Les symboles ont bien été trouvés dans l'exécutable test, ce qui est une excellente nouvelle, parce que sinon, bah, j'aurais été bien embêté pour la suite. Alors, on va pouvoir démarrer le programme. Pour démarrer le programme au sein du débugger, vous tapez run. Là, tout va bien. Le programme s'exécute exactement comme dans mon terminal. Et ici, vous voyez, il me dit que le process numéro 29787, donc le process qui a été démarré pour tester mon programme, s'est terminé normalement, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur un return 0 et qu'il n'y a pas eu de plantage à l'intérieur de mon programme. Alors c'est bien beau tout ça,
Mais là, jusque-là, c'est pas très très utile. Alors, on peut redémarrer à volonté. À chaque fois que je fais run, le programme est de nouveau redémarré. Je peux commencer à fixer ce qu'on va appeler un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est quelque chose qui me permet de dire, quand tu arrives à cet endroit-là du programme, mets-toi en pause. Donc un point d'arrêt en anglais, c'est un breakpoint. Donc vous pourrez taper soit hop, le mot complet break, qui vous permet de placer un breakpoint. Soit vous pouvez tout simplement utiliser l'abréviation B pour placer un breakpoint. Alors ici, je vais placer mon point d'arrêt au niveau de la ligne 8 pour que le programme se suspende juste avant d'exécuter cette ligne-là. Donc break 8. Voilà. Donc vous voyez, mon breakpoint est placé dans le fichier main.c à la ligne 8. On va pouvoir maintenant le démarrer de nouveau. Et tout simplement, lorsque j'arrive sur la ligne 8, vous voyez, mon programme se met en pause. Je peux à volonté maintenant consulter un certain nombre de choses sur le programme. Par exemple, je peux taper BT. BT me permet de savoir dans quelle fonction je suis actuellement et qui a appelé cette fonction. Pour l'instant, je suis dans le main. Je peux également afficher des valeurs de variables. Donc, pour afficher des valeurs de variables, j'utilise la fonction print. Donc, si je fais un print i, par exemple, voilà, i vaut pour l'instant moins 23 207 000. Ouais, bon, je me suis planté dans les décalages de 0, excusez-moi. Toc, 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 moins 232 071 868. En fait, i n'est pas encore initialisé, on l'a déclaré avant la ligne 8. Il a récupéré la valeur qui traînait en mémoire. Donc, bah voilà, vous voyez, i n'est pas pour l'instant rempli avec une valeur intéressante. On va pouvoir comme ça avancer étape par étape. Alors, pour avancer étape par étape, je peux utiliser plusieurs mots-clés. Le premier, celui que j'aime bien, c'est Next. Next passe à la ligne suivante du fichier en cours. Donc si je fais un Next, je rentre dans le for, je suis désormais à la ligne 10, et je peux m'amuser à revoir de nouveau la variable i. Vous voyez, le for a été appliqué, le i vaut 0. Je peux ensuite continuer, je refais un next, donc je vais lui dire continue jusqu'à la prochaine instruction active. Je remonte à la ligne 8, je refais un next, le for est appliqué, et donc normalement maintenant, pardon, print i, vous voyez, i vaut 1. Donc on peut comme ça exécuter étape par étape un programme, et quand on en est content, on peut lui dire run. Run, ça veut dire reprend le fonctionnement jusqu'à recroiser le prochain breakpoint. Donc ici, hop. Ah, pardon, autant pour moi. Petite erreur de syntaxe. C'est finish. C'est pas run. Run le ferait redémarrer au départ. Bon, ici il n'est pas content. C'est pas grave. Continue et m'embête pas. Donc, une fois qu'on a vu ça, c'est la première étape, c'est relativement sympathique. On vient déjà de faire le programme et ça fonctionne, on peut l'exécuter étape par étape. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je modifie un petit peu mon code en créant une sous-fonction? C'est-à-dire que je vais garder mon Hello World, simplement je vais le rentrer à l'intérieur d'une fonction. Et ici, je vais appeler ma fonction. D'accord? Je recompile. Ça, c'est obligatoire. Je peux tester toujours, hein. Ça ne devrait pas changer grand-chose. Alors, tiens, on va juste modifier pour bien faire la différence entre les différentes versions. Voilà, ici si je tape run, hop, donc il vous dit
qu'il a détecté que l'exécutable a changé, il relie à nouveau l'exécutable et le réexécute. Donc, ici, on a redéfini des breakpoints. Pas forcément très malin d'ailleurs, mais bon, on s'en fout un petit peu pour l'instant. Si vous voulez effacer un breakpoint, hein, vous pouvez utiliser tout simplement delete. Pardon, delete 1, delete 2. Voilà, je n'ai plus de breakpoint normalement. Donc, si je l'exécute, vous voyez, l'exécutable a été relancé, il est bien à jour. Vous n'avez pas besoin, et c'est une erreur que je vois souvent chez mes étudiants, vous n'avez pas besoin d'arrêter GDB à chaque fois que vous recompilez. Il suffit d'arrêter le process géré par GDB, donc faire un kill, d'accord, ou un finish. Et une fois que ça c'est fait, de refaire un run, et le nouvel exécutable sera pris en compte par GDB sans redémarrer GDB. Alors, on continue un petit peu et on voit maintenant comment se passe l'exécution si je place un petit breakpoint. Donc, ce coup-ci, je vais me placer un breakpoint en ligne 15. Donc, oups. J'exécute mon programme. J'arrive sur le breakpoint numéro 4. Donc, ça, c'est parfait. Alors, je l'avais dit en ligne 15, oui, donc du coup, il me l'a mis en 17 à la première ligne active. Excusez-moi. Ok, donc ça, c'est bon. J'affiche mon i comme je l'ai fait tout à l'heure. I n'est pas initialisé. Je fais un next pour sauter à l'instruction suivante. Il arrive sur affiche, donc il est situé à la ligne 19. Si je fais un next de nouveau, il va exécuter la fonction affiche et revenir au for. Donc vous voyez, hop, j'arrive à la ligne 17, puis j'exécute affiche, puis je remonte, et ainsi de suite. Vous voyez les différentes itérations. Le problème en général, c'est que si vous faites ça, vous ne voyez pas ce qui se passe dans affiche. Ici, quand je fais un next, en fait, j'exécute la fonction et je passe à la prochaine ligne active. Si je veux rentrer dans la fonction, je ne vais pas utiliser next, je vais utiliser step. Step dit, ok, tu rentres dans la fonction affiche. Et vous voyez, cette fois-ci, je suis à la ligne 6, je suis rentré dans affiche et je détaille pas par pas le fonctionnement de mon programme et de ses sous-fonctions. Donc, les premières étapes à connaître, bien sûr, bah, c'est comment faire du pas par pas, c'est step, c'est next, c'est finish si vous voulez terminer la fonction courante, d'accord? Et c'est continue pour reprendre une exécution normale. Ici, est-ce que je peux afficher i? Bah, j'aimerais bien, mais je suis dans le contexte de la fonction affiche. Or, la variable i est une variable locale à la fonction main. Donc je ne peux pas voir i. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de BT, backtrack. BT vous permet de savoir si vous êtes dans une fonction, appelé par une autre fonction, etc. Donc vous voyez ici, ma pile d'appels des fonctions, c'est que je suis dans la fonction affiche, elle-même appelée par la fonction main. C'est ce qu'on appelle les différents contextes. Je peux me replacer dans le contexte que je veux, sans redémarrer le programme. Par exemple ici, je suis actuellement dans affiche appelée par main. Je n'ai donc pas accès à la variable i. Mais si je veux quand même le faire, je fais un frame 1, ce qui me permet de me placer dans le contexte du main. D'accord? Je n'ai toujours pas relancé l'exécution. Et dans le contexte du main, je peux savoir combien vaut i. Je n'ai pas changé de point d'exécution, donc je suis toujours dans affiche appelée par main. Simplement, je regarde mon programme du point de vue du contexte de la fonction main. Si je veux revenir comme ça dans mon contexte lié à la fonction affiche, je fais un frame 0 et je me replace dans le contexte de la fonction affiche.
Alors, tu me demandes comment faire pour les fonctions style stdio.h, etc., etc. En fait, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que si tu as un plantage qui se fait au sein d'une des librairies standards du système, ou même d'une des librairies tout court, quand tu vas planter ton exécutable, avec le backtrack, tu vas voir que tu es dans la fonction, alors je dis n'importe quoi, mais ioctl, appelée par malloc, elle-même appelée par ton programme à la fonction machin. Donc dans le BT, tu pourras à loisir, sans aucun problème, débugger, y compris les appels dans tes fonctions système pour voir ce qui s'est passé. Là où ça risque d'être un peu plus délicat, c'est que sauf si tu as installé des versions de tes librairies système avec les symboles de débugage, tu n'auras pas forcément accès à l'intérieur au nom des variables. Donc tu auras une lecture qui est assez claire de ce qui se passe dans ton programme à toi et qui est plutôt orientée, langage machine, dans les fonctions du système. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus confortable lorsque tu es en train d'essayer de débugger. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Alors, si tu en as vraiment besoin, alors, sauf si tu es développeur système, a priori tu n'en as pas besoin. C'est vraiment que tu n'as pas eu de bol si tu tombes sur un bug qui est à l'intérieur d'une des librairies du système. Néanmoins, si jamais ça arrive, tu peux installer des versions des librairies standards avec les symboles de débugage. Voilà, ça se fait sans aucun problème. Ce sont des configurations de machines assez rares. Hein. On voit ça rarement dans l'univers des sysadmins. C'est plutôt les développeurs et voire les développeurs système qui font ça. Donc c'est vraiment très très rare. Si vous avez besoin, parce que vous ne savez plus où vous êtes, alors vous voyez, moi j'ai l'éditeur à gauche, donc c'est relativement facile. Vous pouvez aussi visualiser au sein de GDB où vous en êtes dans le programme. Il suffit de taper liste. À l'aide de liste, vous voyez les différentes lignes autour. Alors c'est, je ne sais plus, je crois que c'est trois lignes avant, trois lignes après. Ou quatre lignes, je ne sais plus, il faudrait compter là. Tout, 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 j'en ai 10, ouais, donc ça doit être plus ou moins 4. Autour de l'endroit où vous en êtes pratiquement. Donc je vais dire à mon programme de continuer et de se terminer. On va faire ça avec continue. Et hop, il se termine. Normalement, vous voyez, il finit. Sans aucun problème. Bon, où en sont mes breakpoints? Ça, c'est une grande question, et c'est, je vous avoue, c'est celle que je me pose, mais alors sans arrêt, je passe ma vie à me demander toujours où ils sont. Alors, je réexécute mon programme, je m'arrête sur la ligne 17, d'accord? Je décide de faire un step, je rentre à l'intérieur d'affiche. Quelque chose que je voudrais vous montrer, c'est comment terminer la fonction courante, mais sans terminer tout le programme, juste terminer la fonction courante. D'accord? Vous utilisez finish. Finish, ça vous permet de terminer la fonction et de vous arrêter à l'étape suivante dans la fonction appelante. Hop, et vous le voyez, j'ai terminé ma fonction, j'ai repris, je suis arrivé sur le for. Et en plus, comme en plus, il y a un breakpoint à cet endroit-là, mais bon, là, c'est clairement pas lui qui m'a arrêté. Donc, ça, c'est déjà des fonctionnalités que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de GDB. C'est-à-dire que, globalement, ça vous permet quand même de bien voir ce qui se passe. On va provoquer volontairement un segfault. Et on va voir un petit peu comment se passent les choses quand on a un dépassement mémoire ou quand on écrit à un endroit qui n'est pas autorisé. Alors, je vais faire ça comme un sauvage. On va se créer un petit tableau. Je vais volontairement oublier le malloc, ce qui est très très mal. Je vais me définir une petite variable j. Et je vais écrire dans mon tableau, dans la case J. Alors ça, on est tous d'accord que c'est un gros bug.
On recompile. D'accord, ça compile sans problème. J'essaie d'exécuter. Boom, sigsev, erreur de frontière d'adresse. C'est-à-dire que c'est ce que vous connaissez probablement sous le nom de segmentation fault. Hein. Je suis en train d'écrire dans des zones mémoire qui ne m'appartiennent pas puisque je n'en ai pas fait la demande. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe au sein de GDB. D'accord, quand j'ai ce genre de choses-là. Je redémarre mon exécutable. Hop, je tombe sur mon breakpoint. Parfait jusque-là. Bon, il me casse les pieds, du coup je vais le désactiver. Hop, je lui dis de continuer. Et vous voyez que le programme plante. Gros intérêt par rapport au main, par rapport à l'exécution classique, pardon, c'est que je vois très précisément où il plante. Il plante dans main.c à la ligne 10 dans tableau de J égale 6500. Donc déjà, je peux savoir quelle est l'instruction courante au moment où l'OS a décidé de terminer mon programme. Ce qui est déjà un premier pas intéressant. Je peux aussi faire un BT qui me permet de voir quelle fonction est courante, c'est-à-dire où j'en suis, qui a été appelé par qui, etc., etc. Je peux également m'intéresser aux valeurs des variables intérieures. Donc ici, vous voyez, J vaut 2814. Alors je sais que les débutants en C vont me dire, mais c'est pas bien ça. À partir de J égale 0, déjà, j'étais dans des zones mémoire qui ne m'appartenaient pas. En fait, c'est complètement vrai. Simplement, l'OS ne va, en tout cas dans le cas Linux, l'OS ne va arrêter mon programme qu'à partir du moment où je fais une violation. Si je suis en train d'écrire dans une zone mémoire qui n'appartient à personne, c'est pas grave. Si par contre je suis en train d'écrire dans une zone mémoire qui a été réservée par un autre processus, là c'est une erreur critique qui déclenche l'arrêt de mon programme. Donc c'est tout à fait normal. C'est même statistiquement normal que mon programme n'ait pas planté à partir de J égale 0. Alors, on peut aussi, à l'aide de WHERE, voir exactement ce qu'on appelle le call stack, la pile des appels. C'est la même chose que BT hein, en pratique. Ce dont je voudrais attirer votre attention, c'est que vous récupérez quand vous faites ça, ici, la valeur des arguments utilisés pour chaque variable. Et ça, c'est très pratique. Regardez bien. On va modifier très légèrement mon programme. Par exemple, je vais appeler i. Voilà. Vous êtes d'accord? Je recompile. Je redémarre. Voilà. Et si je fais un BT ou si je fais un WHERE, c'est la même chose. Vous voyez, donc j'ai planté au moment où main était à argc2.1, argv2.0x, 7fff. Bon, c'est un pointeur, forcément, c'est pas très joli. Mais surtout, je suis dans affiche qui a été appelé pour la valeur de i égale 0. Voilà, donc ça vous permet de voir si c'est la première fois que vous appelez la fonction affiche, avec quels arguments elle a été envoyée, etc., etc. Donc rien que ça, c'est déjà relativement précieux. Alors, on peut aller très très loin avec GDB. Hein. Je vais essayer de vous donner quelques petites... quelques petites astuces, sachant que je pourrais clairement pas en faire le tour dans un seul stream. Hein. ce serait un petit peu compliqué. On va corriger notre erreur. Hop. Bon, là, ça fait un gros paquet de hello quand même. Qui vont être affichés. On va réduire un peu ça. Voilà. On va se définir une autre variable.
C'est juste pour s'amuser un petit peu. Tac, 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 tac. Un petit point virgule ne coûtera pas plus cher. On y retourne. Donc, déjà, première chose, je teste mon programme comme ça. Vous voyez, ça a l'air de fonctionner. Je l'exécute ici. Ça fonctionne exactement de la même manière. Parfait. Bon, utilisons, pour vous montrer un petit peu, la fonction watch. Si vous utilisez juste watch, il va vous dire, j'ai besoin d'une expression à calculer. Donc, on va lui dire watch k. Pardon. Plaçons-nous un petit breakpoint, ligne 8. Faisons un watch k. Voilà. À partir de là, je vais effacer mon breakpoint. Pardon. Je relance l'exécution. Je lui dis de continuer, pardon. Et vous voyez qu'il s'est de lui-même réarrêté. Bah pourquoi donc? En fait, il va non pas s'arrêter à une ligne, mais il va s'arrêter à chaque fois que l'expression que j'ai donnée à Watch est changée de valeur. Donc ça permet de simplement faire une sorte de breakpoint automatique pour surveiller une valeur parce que vous savez que c'est cette valeur-là qui pose problème. Alors, on va lui dire de continuer. Hop, de nouveau, il s'arrête à la ligne 8 parce que de nouveau, au sein de la ligne 8, j'ai touché à l'expression K. Donc, watch, c'est les watch points, hein, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très 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 efficace, hein, je ne vous le cache pas. Vous pouvez jouer avec pas mal de fois. Alors, concernant tous mes breakpoints là, qu'est-ce que je peux faire avec, comment je peux jouer, etc. Jusque-là, je vous ai montré tout un tas de breakpoints. Je ne les ai pas forcément nettoyés proprement, réactivés, etc. J'ai un petit peu oublié de vous montrer ça. Alors on va faire simple. On va enlever tous les breakpoints. C'est la fonction clear. On va s'en mettre un petit à la ligne 26. Normalement, c'est bon. Je réexécute. Voilà. Donc, ici, mon breakpoint est actif. Si vous voulez temporairement le dévalider, le mettre en pause, vous pouvez le faire avec Enable ou Disable. Enable, alors là c'est le breakpoint numéro 8. Hop, il est activé. Disable le breakpoint 8. Le breakpoint 8 est désactivé. Donc là, vous voyez, il n'est plus du tout effectué. Bon, jusque-là, c'est pas mal. Alors, petite question de Nico. Tiens, il oublie le K++. Ah, tu veux dire dans le watch? Oui, en effet, mais là, je pense que c'est simplement lié au contexte parce que comment dire, je n'ai activé le watch point qu'à l'intérieur du for. Tout simplement. Donc, c'est pas forcément très gênant. À chaque fois que vous êtes en état d'arrêt, à chaque fois que vous êtes en état de pause, vous pouvez visualiser absolument toutes les fonctions, toutes les variables, hein, il n'y a aucun souci. C'est juste un petit peu inhabituel généralement quand on joue sur la notion de contexte. La variable au sein d'un for, au sein d'une fonction, au sein de la fonction appelante. Voilà. Il faut toujours se rappeler où on est le contexte et où est-ce qu'on en est, nous, tout simplement. Print, c'est pas mal, mais c'est pas toujours hyper pratique. Alors, on va se placer
un petit breakpoint ligne 11. On démarre. J'arrive ligne 11. Voilà, le K++ est exécuté. Et là, j'ai mon breakpoint qui vient de se déclencher. Au lieu de faire un print, je vais faire un display. Si je fais un display K, ça veut dire qu'à chaque fois que mon programme va se remettre en pause, il va me réafficher cette variable-là, ce qui m'évite de faire un print à chaque fois. Alors, vous voyez, je display K, je display J, je fais un run, il retombe sur un breakpoint. Hop, dès qu'il tombe sur un breakpoint, il m'affiche mes displays en cours. Donc, on peut continuer, hein, next. Voilà. Et vous voyez comme ça l'évolution de vos variables au sein du code et à chaque fois à quelle ligne j'en suis. Bon, GDB c'est très très riche, hein. On pourrait écrire des livres complets, d'ailleurs ça a été fait dessus. Donc là je vais juste me contenter de vous montrer un peu de quoi c'est capable et jusqu'où on peut aller. On va maintenant modifier une dernière fois ce programme. On va se déclarer un petit tableau. On va l'allouer dynamiquement. On va le libérer à la fin de la fonction. Et au sein du programme, on va se contenter de remplir les 5 premières cases, mais ce n'est pas bien grave. Donc, table de J reçoit J. Voilà. On va agrandir un peu plus. Comme ça, tout le tableau est rempli. Donc, toujours pareil, je recompile avec l'option moins G. Ah, j'ai visiblement fait une connerie. Oui, j'ai oublié l'include pour le malloc. Malloc faisant partie de stdlib.h. Ça va mieux, J non déclaré, c'est sûr que si j'en ai effacé la déclaration, ça n'aide pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, ça fonctionne. En fait, il remplit les tableaux, il n'affiche rien, donc c'est pas un problème. J'exécute. Je tombe sur le breakpoint, ligne 9. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait visualiser tab? Si je fais un print tab, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois l'adresse de tab. L'adresse de mon tableau. C'est normal. Tab de 0, tab de 1, ce sont des entiers. Tab tout court, c'est un int étoile. Je peux demander tab de 0. Tab de 1. Voilà. Là, il n'y a aucun problème. Vous voyez. Donc, on a accès à l'intérieur des tableaux, des variables, etc. Sans que ça pose vraiment de problème. Vous avez tout un tas de fonctionnalités qui permettent de faire des mises en forme un peu à la printf, hein, pour afficher quelque chose en tant que octet, en tant que hexadécimal, en tant que valeur à tiers, etc. etc. Donc ça... Ça fait partie des petites choses qui sont vraiment très 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 bien sur GDB. Quand vous faites un print, normalement vous pouvez rentrer une expression. Donc, si je fais un print tab de 1, on a vu que c'était 0, je peux aussi faire un print de tab de 1 plus 3. Voilà. Vous pouvez tester comme ça des valeurs, des formules dynamiquement et sans aucun souci. Il y a également des accès à des choses de très très bas niveau. Alors là, je m'intéresse juste un petit peu aux gens qui font de l'assembleur, mais vous avez accès avec le dollar au registre de votre processeur ou de votre programme. Donc print $ESP par exemple, ben, ESP c'est le registre qui contient le pointeur de pile. Vous pouvez avoir l'état de votre pointeur de pile. Vous pouvez avoir l'état de votre pointeur d'instruction.
Donc, on peut comme ça avoir accès à des choses qui sont très très bas niveau, là plus accès peut-être pour des gens qui maîtrisent ou qui ont déjà une connaissance basique de l'assembleur. Si on continue un petit peu à aller plus loin, on peut prendre pas mal d'informations sur l'état actuel du programme ou sur comment dire, l'état de GDB. Alors, si vous voulez voir la liste des breakpoints qui est en cours, vous faites un info breakpoints. Info breakpoints vous montre où sont vos breakpoints et est-ce qu'ils sont enable ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont actifs ou pas. Voilà, vous pouvez aussi savoir s'ils ont été déjà touchés une fois ou pas, c'est-à-dire déclenchés. Bon, ça c'est pas mal. Vous pouvez faire un info displays. Info display, ça permet de voir quelles sont les variables que vous affichez actuellement. Non, il n'y a pas de S, excusez-moi. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas de display en route sur cette. Comment dire, sur cette instance-là de GDB, sur ce démarrage-là de mon programme. Bah, c'est pas mal. Dans quelle fonction suis-je? Je suis dans Affiche. En fait, vous pouvez aussi faire un info args qui vous permet de voir quels sont les arguments qui ont été transmis à la fonction en cours. Donc vous les voyez déjà dans le BT. Voilà. Mais quand il y en a beaucoup, ce n'est pas toujours pratique parce qu'ils sont sur une seule ligne, etc. Donc avec info args, vous pouvez voir tous les arguments et les valeurs transmises à la fonction courante. Là, c'est déjà un peu plus sympa. Idem, plutôt que de voir chaque variable locale une par une avec print ou avec display, vous pouvez faire info locals. Info locals vous montre les valeurs courantes de chaque variable locale à votre fonction. Là aussi, c'est assez propre. Bon, si on avance un petit peu, on pourrait se demander, tiens, quelles sont les librairies dynamiques actuellement utilisées par mon programme? Pour ceux qui m'ont en cours, je vous ai déjà montré LDD, qui permet de voir les librairies dynamiques utilisées par un exécutable. Sous GDB, on peut le faire avec info shared library. Alors, je ne sais jamais si c'est pluriel ou singulier. Voilà. Et vous pouvez voir celles qui ont été utilisées pour le moment. Pourquoi pour le moment? Ben parce que au fur et à mesure que votre programme va avancer, vous verrez probablement cette liste évoluer. Vous pouvez aussi voir la liste des signaux. Alors là, je m'intéresse principalement aux gens qui sont à l'aise sous Unix, hein. On peut envoyer des signaux à un exécutable. Par exemple, lorsque votre exécutable se termine violemment parce qu'il a fait un segfault, en fait, l'OS lui envoie un signal qui lui dit erreur de dépassement de limite de mémoire. Et c'est ce signal qui provoque l'arrêt de votre exécutable. Donc, on peut, à l'aide de InfoSignals, lister tous les signaux et voir ceux qui sont gérés et comment ils sont gérés par le programme. Pour les gens qui feront du multithreading, on peut aussi s'intéresser à la liste des threads en cours. Et ça ne pose absolument aucun problème sous GDB de débugger un programme multithreadé et de mettre en pause un thread ou de s'intéresser particulièrement à un thread de votre programme. Donc ça, c'est déjà relativement confortable. Toujours dans les prises d'information, je vous invite à regarder What is. What is, ça vous permet d'afficher le type d'une variable. Par exemple, prenons tab. Si je fais un print tab, voilà, c'est un int étoile qui vaut ça. Mais je peux demander aussi sa nature. Il est de type int étoile. Alors ça peut vous paraître trivial sur un simple pointeur, mais dès le moment où on va jouer avec des structures, ça devient beaucoup plus intéressant. Regardons. Je vais me définir. Ah, donc un petit type que je vais appeler, je sais pas moi, coucou type.
Je me dis, hop, hop, hop. Je vais me définir une variable de ce type-là. Je vais régler par exemple le champ Toto de Hello à 42. Je recompile, j'exécute, ça ne change strictement rien. Alors, où j'en étais de mes breakpoints? J'en ai un, ligne 8. Bon. On va l'effacer. On va effacer celui de la ligne le numéro 9 aussi. Voilà, parfait. Et on va se définir un breakpoints à la ligne 24. J'exécute. Voilà. Donc je suis très précisément à cet endroit-là au moment de la pause. Regardons what is. What is j? J est un entier. Parfait. What is hello? Hello est un coucou type. Ah, il arrive donc à afficher, enfin en tout cas à comprendre mon code, même quand j'ai des types définis par moi. Essayons de voir un petit peu si je peux afficher hello. Display hello. Print, excusez-moi. Voilà, vous voyez, il me dit hello. Donc, il contient Toto qui vaut 42 et Coucou qui vaut 0x555. Enfin, c'est une adresse, hein, tout simplement. Et il m'affiche également le contenu de ce qu'il a trouvé à cette adresse-là. On peut aller encore un petit peu plus loin. Print coucou point hello, pardon. Hello point toto. Il m'affiche 42. C'est bien ce qui est contenu dedans. Je peux aussi faire un what is hello.toto. Hello.toto est de type int, nous sommes d'accord, puisque hello est de type coucou type et que le coucou type contient un champ toto qui est de type int. Donc on se retrouve comme ça, de façon assez précise à pouvoir se retrouver dans son code, oui, mais aussi avec un débugger qui a une connaissance assez intime du langage, qui est capable de remonter à la définition d'une structure, d'un type. Voilà, qui permet vraiment de l'analyser de façon très détaillée. Alors, pour Eric, qui me troll un petit peu aujourd'hui, qui me dit « Mais la manière acceptée de debug, est-ce que c'est pas juste de coller des printf à chaque ligne de code ?» En fait, c'est ce que font beaucoup de gens, et de mon point de vue, c'est ni un gain de temps, ni un gain de facilité. Pourquoi ? D'abord, c'est pas si simple que ça de faire le bon printf de la bonne valeur au bon endroit. Ensuite, ce qu'oublient souvent les gens, c'est qu'un affichage, c'est bufferisé. C'est-à-dire que l'affichage est transmis au terminal, qui le fera quand il aura le temps. Voilà. Donc, un printf peut être mis en attente pendant quelques millisecondes, le temps de s'afficher, et le programme continue à avancer. Ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, vous faites un printf, votre message est mis en attente, puis l'erreur se trouve un petit peu après le printf. Le programme plante. Comme le programme plante, le terminal annule tous les printf en attente et vous ne voyez pas le printf s'afficher. Vous en déduisez que l'erreur est avant le printf en vous disant ben non, sinon il aurait affiché, alors qu'en pratique, elle est après le printf. Du coup, pour faire un vrai debugging avec un printf, il faut faire le printf avec votre petit message et juste après, un fflush stdout pour forcer l'affichage avant de continuer l'exécution. Et là, bah, déjà, votre printf, il n'est plus aussi trivial. Voilà. Exactement. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que certains de tes printf n'apparaissent pas s'ils sont situés trop proches d'une erreur. GDB, au moins, il vous protège de cette mauvaise manip-là et il vous évite de vous envoyer aux fraises et de chercher des heures et des heures une erreur. Voilà. Donc, je crois qu'avec ça, on est déjà pas mal.
Est-ce qu'il y a des questions en particulier, hein? Vous n'hésitez pas, vous les jetez dans le chat directement. Je ne voudrais pas que cette première session soit trop longue et vous envoyer trop de choses en même temps. Donc je pense que c'est pas, comment dire, c'est pas mal pour un début, pour vous donner un petit peu les grandes lignes de GDB et que vous puissiez un petit peu au moins avoir un exemple d'utilisation. Pour passer à la suite, comment faire? Eh bien, première chose, vous pouvez tout simplement déjà aller voir sur le net et vous trouverez énormément de ressources autour de GDB. Je vais vous en montrer quelques-unes que moi j'aime beaucoup. Alors, on va se lancer sur Google. Petit. Autour de GDB, la première chose que vous pouvez chercher, c'est ce qu'on appelle une cheat sheet, une feuille de triche. Tout simplement parce que sur ces feuilles de triche, vous aurez l'intégralité ou en tout cas un bon ensemble des commandes de base de GDB juste en une page recto verso ou des fois deux pages. Donc ça vous permet comme ça, vous l'avez toujours sous les yeux et vous retrouvez assez rapidement parce que bah oui, on manipule 50 000 outils, hein, le compilo, votre éditeur, pour peu que votre éditeur soit VI, vous avez déjà pas mal de raccourcis en tête. Donc voilà, si comme moi, vous ne démarrez pas non plus GDB 50 fois par jour, une petite feuille de triche comme ça vous permet facilement d'avoir au moins comment on appelle ça, les grandes lignes ou les fonctions principales directement sous les yeux. Voilà, je ne vous cache pas que moi, quand je code, c'est celle-ci que j'ai sous les yeux. Autre chose que je vous conseille également, il existe de très bons livres sur GDB et notamment un livre d'Aurélie qui est le GDB Pocket Reference. Alors il y en a deux. Le Pocket Reference est bien parce qu'il est tout petit. Voilà, c'est vraiment un tout petit bouquin. C'est plus une sorte de petit fascicule, 80 pages, hein, qui vous permet de remplacer la cheat sheet ou en tout cas d'aller un petit peu plus loin. Et vous avez le gros pavé qui est The Art of Debugging with GDB and DDD. Alors il en existe plusieurs, celui de Nostarch est franchement pas mal. Alors attention cependant, il est plus orienté autour de Eclipse. Donc voilà, je ne suis pas un grand fan d'Eclipse, hein, je trouve que c'est une usine à gaz. Donc j'aime les choses un peu plus simples que ça, en tout cas dans ce que j'utilise moi tous les jours. Bon, ça c'est si vous êtes riche. Si vous n'êtes pas riche, allez donc voir la documentation de GDB. Elle est sur gnu.org. Et comme c'est la grande tradition dans tous les projets libres et open source, elle bénéficie d'une documentation qui est très bonne. Donc vous pouvez aller voir le user manual. Alors le Internals Manual, je vous le déconseille parce que là, c'est vraiment si vous décidez d'être développeur pour développer GDB, pour vraiment comprendre tout ce qui se passe en dessous. Mais le User Manual est très bien fait, il est en PDF, il est en classique et il est complètement rédigé. Hop, désolé pour la police, c'était un peu gros. Par contre, il est mastoc, hein, je vous le dis. Voilà. Là, une fois que vous avez lu ça, il n'y a rien d'autre que vous puissiez apprendre sur GDB. Tout est dedans. C'est la Bible. Donc, si par exemple vous intéressez aux breakpoints, hop, voilà, ça va vous expliquer tous les détails, comment préciser le breakpoint, à quelle ligne, dans quel fichier, etc. Parce que là, je me suis placé dans un cadre assez simple, hein, un programme avec un seul fichier. Mais ça ne pose absolument aucun problème pour dire je mets un breakpoint dans le fichier coucou.h, enfin coucou.c, excusez-moi, à la ligne 42. Hein. Voilà, donc la meilleure des documentations de mon point de vue, c'est celle-ci. Mais elle est un peu aride, elle est un peu dure pour commencer. Donc un petit bouquin, c'est pas mal aussi, franchement. Voilà. Que dire de plus? Bah, pas grand-chose, je vous remercie beaucoup d'être passé. Voilà. Alors, DDD. Alors, le Data Display Debugger. Ouais, DDD, c'est un peu particulier. Je préfère, RiskJack, mettre ta question un petit peu en attente et je te montrerai très particulièrement le DDD.
parce que c'est vraiment quelque chose de voilà, d'un petit peu, je vais pas dire anecdotique parce que c'est important, mais on le sort pas tous les jours. Voilà. Si vous voulez faire du debugging intéressant en C, vous avez besoin de deux outils. Vous avez besoin d'un bon débuggeur, et pour moi, la référence, c'est GDB, de très très loin. Et vous avez besoin d'un autre outil qui sera un profiler mémoire, ou en tout cas quelque chose qui vous permet de chercher les fuites mémoire. En gros, qui vous permet de trouver tous les mallocs où vous avez oublié de faire un free. Donc, il existe des outils pour faire ça. Ça nous fera un très bon sujet à étudier demain ou après-demain, sans aucun problème. Voilà. Moi, en tout cas, j'en utilise que trois des outils, hein. J'utilise GDB pour le debugging. J'utilise un profiler mémoire qui me permet de savoir où est-ce que j'ai oublié de faire des free, où est-ce que je fais des accès alors que j'ai oublié les mallocs, ce genre de choses-là. Et j'utilise un troisième outil qui est un profiler de code et qui me permet de savoir en fait combien de temps je passe dans chaque fonction et qui me permet de savoir comme ça les bouts de code qui sont réellement intéressants à optimiser pour avoir une exécution beaucoup plus rapide. Mais tout ça n'est utile que dans le contexte très particulier du développement pour de l'embarqué, là où on va aller compter les microcycles parce qu'on en a absolument besoin. Oui, c'est Valgrind que j'utilise comme profiler mémoire, en effet. Je vous le montrerai un petit peu. Alors, il en existe deux des profilers mémoire hein, que tu peux regarder, Valgrind et un autre qui s'appelle Electric Fence, eFence. eFence a pas mal perdu de vitesse, en tout cas de mon point de vue. Donc, Valgrind, maintenant, c'est devenu vraiment l'incontournable. Bon, eh bien écoutez, nous sommes à 1 heure de stream. Je crois que c'était déjà beaucoup de choses en très très peu de temps. Je vous remercie d'être toujours au rendez-vous, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez absolument pas. Si vous voulez des documentations, si vous voulez des petits coups de main, ou si, voilà, si tout simplement vous n'arrivez pas à refaire certaines des petites manips qu'on a faites là, bah, toujours pareil, vous me prenez en message sur Discord, vous posez la question, et puis je vous donne un petit coup de main autour de ça. Je vous souhaite un bon après-midi en ce beau dimanche, en tout cas au moins dans le sud. Allez profiter un peu du soleil et puis voilà, découvrez cet outil, vous verrez, il vous sauvera la vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.